Bonjour à vous, je suis Danfield et nous voici partis sur le 12e épisode du Let's Play de Cities Skylines. Donc dans l'épisode précédent, on avait continué un petit peu notre expansion. On avait fait pas mal de petites nouvelles choses, surtout dans cet endroit. Et vous avez été nombreux à avoir remarqué qu'effectivement, cette zone est une zone minière. Avant, les filtres pour les ressources minières ne fonctionnaient pas tellement bien. On ne voyait pas cette couleur violette du moment où je l'avais pas vue. Du coup, j'avais fait mon centre minier ici. Je me rends compte qu'il sert presque à rien, donc on va le déplacer ici. On va virer les maisons et on va faire pas mal de trucs miniers. Et là, on va spécialiser tout ça dans l'industrie standard. Vu que là ça sert à rien qu'elle soit en minier, donc on va sélectionner, hop, industrie standard, boum. Ok, donc là c'est fait. Maintenant on va perdre pas mal de trucs qui vont se détruire, mais bon, en tant que tel ils servent à rien, donc voilà. Et ici on va devoir donc non seulement respécialiser, mais en plus on va devoir virer les maisons qui on va mettre les maisons on va les bouger ici. Ok, donc on va virer le tag, on va venir ici et on va se faire des maisons qu'on va connecter avec ça. Ok. Et donc on va essayer de refaire la même chose, donc deux dans ce sens là. Alors si je me rappelle bien, c'était deux comme ça. Hop. Et hop. Et maintenant même chose là. Je me rappelle plus combien j'avais fait au centre. Bah, ça doit être deux également. Voilà. Parfait. Alors là, c'est vraiment pas efficace en place, hein, par contre, ce système. Mais bon, on a choisi un truc. On y va jusqu'au bout. On s'est lancé. Alors, justesse, ok. Et parfait. Ok. Du coup, ici, on va être un petit peu juste pour faire un peu plus, donc on va y aller. Comment est-ce qu'on va y aller? Bon, déjà toi, alors, je peux pas le connecter là. Est-ce que je peux le passer en dessous? Je peux pas le passer en dessous, donc il y aura une seule route qui va connecter là, tant pis pour le moment en tout cas. Et hop, et donc ici, comment faire pour faire le suivant? Dans la logique des choses, j'avais fait monter. On va le faire dans l'autre forme, on va le faire comme ça. Je vais le mettre là. Donc là il va pas être exactement comme avant. Donc, alors 2. On va le faire coucher. Boum. Petit souci pour connecter, c'est pas grave, on va pas le connecter dans ce cas-là. On continue. Et voilà, après là-bas, juste le mettre parce que ça nous fera un petit peu plus de... Hop. Excellent, donc là on a des quoi stocker les gens, donc regardons. Ouais, c'est parfait, on va leur faire leur petite baraque. Donc ça va être des gars qui vont miner, donc on va pas non plus faire des maisons de trop haute qualité. Voilà, il y aura de quoi faire. Non, là on va plutôt mettre... mettre des du commerce, ok. Parfait. Ok, et là on va mettre peut-être d'autres choses, je verrai après, peut-être ça sera ici, on verra pour plus tard. Donc là on a maintenant les maisons et maintenant on va transformer tout ça en truc d'industrie. Alors on va détailler. Hop. Et maintenant on va aller avec ça parce qu'il y a des endroits où je suis pas sûr que j'ai tout viré. Là j'ai pas viré. Ok. Un peu de maison. Là il y a des maisons également. On les vire. Tout ça. Tout ça, ça va être des entreprises minières. Hop, je pense que c'est bon. On regarde donc de plus haut.
là, il y en a encore un petit peu par là. Là aussi. Ok, je crois que c'est bon. Donc les gens vont pas être contents, mais bon, ça arrive. Et là, on va les remplacer maintenant par ces entreprises minières. Ah, regardez là. Encore des trucs de commerce. Ah là là, c'est vraiment dur de bien gommer tout. Voilà, je crois que c'est bon là. Ok. Hop. Ouais, là aussi. Je crois que là où il faut aussi des trucs miniers. Ouais. Donc on continue. Ouais, maintenant il faut de l'énergie partout. parce que les zones sont déconnectées du reste. Hop. Toi t'es bon. T'es bon. Et ben dis donc, ça va en faire du des trucs là. Ok. Toi t'es bon, toi t'es bon. Pourquoi ils sont pas encore partis? Je crois qu'on a fini. Ah, ici, sinon là ça sera les trucs. Et maintenant on va leur donner l'ordre d'être un truc pour miner. Alors je peux pas faire plus. Ah si, voilà, ok. Non, là-bas. Là-bas c'est des maisons, je crois. Non, c'est pas des maisons, ok. Hop, parfait. Et maintenant, que je me rappelle comment on les tag. Ah oui, c'est ça. Du coup, je vais sélectionner minerie. Boum. Ok, maintenant ils sont tagués. Ils vont devoir changer. Ils vont devoir changer de style hein, pour ceux qui sont déjà construits. D'ailleurs, je vois que tout n'est pas encore bien tagué comme d'hab. Je peux avoir plus gros. Non, pas là. Ok, on est bon. Ici, il y a un petit peu de place. Voilà, là-haut. Et on est bon. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à attendre que des gens se ramènent. On va accélérer un petit peu pendant que le tout se construit. Et là, on va devoir maintenant faire quelques connexions. Donc. Non. Non. Par ici. Alors, il faudrait que ça soit une sortie rapide, mais. Voilà, parfait, comme ça. Boum. Maintenant, ici. Ça, ça va aller là. Alors je me dis peut-être que j'aurais dû le faire comme ça. Voilà. Ça, ça va là. Là, ça va sortir. Plutôt. Boum. Voilà, vous voyez, comme c'est une entrée, il y a une sortie. On va faire la même chose. Boum. Ça fait pas de feu rouge. Si, ça fait des feux rouges. Donc je vais le virer, au moins on n'a pas besoin. De toute façon, c'est pas obligatoire. Ici, ça fait pas de feu rouge. Moi, tiens, ok. Et voilà. Maintenant, on va devoir les connecter un peu plus, nos petits gars. Voilà. Et voilà, on va faire avec. Et donc, du coup, je vais devoir déplacer la plupart des services, donc les hôpitaux. Ça. C'est une clinique médicale. On va la bouger, on va la mettre à un endroit un peu plus favorable pour notre population. Ici. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'entreprise. Les pompiers, ben, on va devoir en mettre un deuxième, de toute façon. La police. Il y en a une besoin d'une en haut. Et une par là. Voilà. Les écoles, ben les écoles elles servent à rien ici. Donc on va la prendre.
Et on va la mettre. Je regarde. Ici. On va la mettre ici. Ok. Boum. Alors maintenant il va avoir besoin d'électricité parce que bon vous voyez c'est pas terrible. Toi tu vas aller là. Comment est-ce qu'on va les connecter? Toi. Pour le moment comme ça. On fera mieux après. Donc là ça connecte le tout. Voilà. Toi. Connecte ici. Et lui, bien sûr, il va se poser tout seul là-haut, quoi. Ah là là. Comment est-ce qu'on peut le faire passer? Hop. Ok. Donc, je pense que la majorité est couverte. On passe à l'eau. Ouais, l'eau a besoin d'être déployée par ici. Hop. Non, trop haut. Voilà, ça a l'air pas mal. Ah, là, pas assez loin. Parfait. Et mais dis donc. Et donc là, ouais, là, du coup, il y aura tellement de choses que les gars vont avoir du mal à tout remplir. Je pense ça va prendre un petit peu de temps. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va poser quelques petites décorations pour satisfaire ce peuple qui est déjà demandeur. Apparemment, vous voyez, ils sont déjà en train de râler. Ok. Faire la même chose là-haut. Mettre là. Parfait. Les petits parcs, la qualité de vie va monter. Et maintenant, on va faire... Je sais pas trop ce qu'on va faire. Bon, on va les laisser se débrouiller pour le moment et on va revenir tout à l'heure. Et maintenant, ce que je voudrais voir, c'est... en attendant que ça se popule un petit peu, les routes à nouveau. Donc, je veux pas faire un truc aussi... Waouh. comme tout à l'heure, je veux faire un truc plus simple. Et déjà ici... Je me rends compte qu'en fait, ouais, on va virer ça. Et on va virer ça. Et plutôt que faire des routes comme ça, on va mettre ça. On m'a dit que c'était beaucoup plus efficace. Alors non, ça, trop d'angle. Est-ce que là, ça fait comme un feu rouge, mais les gars sont beaucoup plus rapides. Et là, je vais vous sortir. Non. Ok. Donc là, il va y avoir une autre sortie là-bas. Ça fait pas de feu rouge, c'est parfait. Et là, plutôt que l'angle droit là-bas, je vais essayer. Ok, comme ça, vous avez de quoi aller là. Voilà, parfait, ils ralentissent pas parce qu'ils vont beaucoup plus vite sur ces routes. Et là, il faut que je me débarrasse un petit peu. Alors, je me dis, si je faisais ça comme ça. Ça marche pas. Si je mets là, ça fait un feu rouge ici. Ça fait un feu rouge ou pas? Ouais, ça fait un feu rouge quand même. Et si je me débarrasse de cet endroit? Est-ce que ça va être plus rapide? Là, ça fait toujours un feu rouge. Et si je faisais qu'on aille dans ce sens-là? J'essaie de trouver des solutions. Hein. on va le faire en sens unique, donc dans ce cas-là, pour voir... Que là ça a viré le feu rouge. Là ça a viré le feu rouge, ok. Donc là, eux ils n'ont pas le choix maintenant.
Ils peuvent aller vers la droite, vers la gauche, mais il n'y a plus de feu rouge ici. Ça va déjà, vous voyez, un petit peu, ça a nettoyé un petit peu par là. Alors après, il reste plein d'autres problèmes, hein, mais on a déjà amélioré pas mal le truc ici. Et par contre, maintenant, on a un souci là. Donc on peut voir ici, la majorité veut aller dans ce sens-là. Donc si je faisais une route à sens unique, est-ce que ça améliorerait les choses ? Ça améliore les choses. Vous voyez, là ils peuvent aller à droite, ils peuvent aller à gauche, mais il n'y a plus de feu rouge. Parfait. Comme ça on va plus boucher, j'espère, l'autoroute. Parce que vous voyez là, l'autoroute est bien bouchée. Alors regardons. Ok, c'est plus bouché. Ah, ça, oh là là, ça va faire du bien. Allez, regardez-moi ça. Hop, hop. Ok, encore un petit peu. Peut-être que là, j'ai pas fait un angle assez... Si je faisais un angle plus doux. Quoique, ils veulent aller aussi vers là-bas. C'est quoi ce bruit? Hein. Et si je faisais dans deux directions? Si je le fais par là, est-ce qu'il y en a qui vont y aller? Être tourné vers la gauche? Non, alors je vais attendre qu'il y en ait quelques-uns, voilà, qu'ils avancent un petit peu. Allez, allez-y, allez-y. Ah, il y en a un qui a pris le chemin et ça fait un feu rouge, donc ça sert à rien de toute façon. Donc, ok, on va les laisser par là. C'est déjà du progrès. Waouh. Et on va devoir un petit peu nettoyer ici. Alors, regardons. Là, on a des gars qui vont par là. Alors, avant de continuer, regardons juste maintenant là où ça en est par là. Vous voyez, ça a construit, mais c'est pas très rapide. Hein. Ils ont pas besoin, ils ont pas cette jambe. Hein. Oui, mais moi, j'ai des trucs ici. Hein. Alors, peut-être si je faisais plus de liens. Je vais celui-là. Boum. Ok, un autre lien direct. Et là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Peut-être un peu plus de bons trucs. Est-ce que j'ai débloqué autre chose? Ah oui, et j'avais dit qu'il y avait un truc qu'on devait faire. C'est quoi ça? Le centre des sciences. Ben tiens, un centre des sciences dans le coin, ça vous ferait du bien, les gars, non? Alors, ici. Alors ça, je le mettrai pas trop là habituellement, mais bon, tant qu'on veut, allez, boum, ok. Oui, on avait dit qu'on allait, qu'est-ce qu'on devait, on devait monter notre criminalité, c'est vrai, donc on devait baisser déjà le budget par là, budget de la police, boum, minimum. Et maintenant, on va chercher tous les trucs de police et on va les retirer pendant qu'on fait le reste. Donc, là, il y a un truc de police. Donc, on l'éteint, ok, on continue la recherche. Il y en a un autre là. Ah, mon pied, zut. On l'éteint. Alors je sais, vous allez tous être mécontents. Ici, j'ai pas de police. Je n'ai rien mis en police par là, d'accord. Alors on revient là. Tout le monde est mécontent. Je sais. Par là. On en a un là, un là. Il y en a un autre ici. Donc c'est bien qu'il nous différencie en couleur ceux qui sont actifs et ceux qui sont inactifs. Vous voyez, l'inactif est noir, l'actif est violet. Hop. Donc la raison que je fais ça, hein, si vous vous rappelez pas de l'épisode précédent, c'est qu'on essaie d'atteindre 50% pour débloquer certains bâtiments. Donc j'ai pas grand chose en police en fait, j'en ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en avait 6 dans la map. Ok, alors regardons le taux de criminalité maintenant. Là. Il est à 10%. Il est assez bas. J'ai rien d'autre Ouais. Ah, il monte 11%. Ok. Donc on laisse faire son boulot. Ici. Ok. Le budget pour la police est à zéro maintenant, effectivement.
Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont toujours pas assez d'employés. Bah ouais, hein. Les gens, ils arrivent petit à petit. Mais bon, pas assez vite. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des trucs. Ah. On améliorait les routes. Ouais. Du coup... on était où? On était là. Oui. Alors, malgré ça... Là, ça va tellement vite que le bouchon continue. Pourquoi est-ce qu'il continue? Qu'est-ce qui bloque? Ici, c'est le feu rouge d'ici qui bloque. Si je transformais ça en ligne à sens unique. Ouais, il n'y a pas de camions qui vont là, de toute façon ils ont les autres routes. Donc on va essayer de transformer à sens unique, ça va être le bordel dans ma ville. Mais bon, on fait avec ce qu'on peut. Donc si eux, je leur dis, vous pouvez aller dans cette direction. Est-ce que ça vire? Ouais, ça vire le feu rouge. Donc soit eux vont vers là-bas, soit ils vont vers là. Tout le monde y gagne. Parfait. Là, ça va devoir déboucher un peu plus. Et d'ailleurs, je me rappelle, c'était à cet endroit, je pense... Vous savez, on ne peut pas, en fait, interdire aux camions d'accéder à certaines routes. Aux autoroutes. Enfin, on peut pas dire aux camions, vous ne pouvez pas aller sur les autoroutes. Par contre, on peut leur dire, pour ces routes-là, on peut les interdire. Et donc, moi, j'avais fait l'interdiction de camions, ici. Mais je n'avais pas pensé... Alors, je veux le petit... Ok, je n'avais pas pensé à couvrir ce machin, donc normalement avec ça, il devrait plus y avoir de camion qui va passer dans là. Vous voyez, si on suit, hop, ça vient à ce petit machin, il devrait donc aller sur mon gros qui est là. Voilà, le camion devrait maintenant passer par le gros en hauteur. Ok, donc là on est bon. Regardons ici, ça continue. Alors là, il y en a beaucoup qui descendent et qui viennent là. Il faudrait peut-être que je les aide à se vider ailleurs. Oh là là, c'est cet endroit là, vous voyez. Regardez-moi cette queue. Waouh. Faut que je l'aide à le distribuer ailleurs, ça. On verra après. Ce que je veux faire, c'est... C'est le relier. Comment est-ce qu'on peut le relier à des endroits intéressants? Alors ça, voilà. Par exemple, ceux-là, s'ils veulent aller au truc commercial, ça va peut-être nous faire un petit peu de place, si jamais je le relie. Si je prends ça là... Non. Oh, ok. On va voir s'il y a des intéressés. Donc on va devoir attendre un peu, hein, le temps qu'ils réfléchissent. D'ailleurs, j'y pense. Je peux faire d'autres connexions. Vous, est-ce que ça vous dirait pas d'aller au centre commercial par là? Je peux pas. Boum, ok. Ah, il y en a déjà qui y vont. Ok, parfait, vous voyez, ils viennent ici. Peuvent repartir par là-bas. Hop. Excellent. Ça nous fera un petit peu moins de congestion. Et là, voilà, il y a bien des gens qui vont déjà dans ce sens-là. Donc ça les intéresse. Donc c'est excellent parce que ça déjà nous fait libérer un petit peu. Alors maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui veulent aller là-bas? Bah même chose. Non, je peux pas. Ah, je peux comme ça. Si je le connecte là, est-ce que ça va faire un feu rouge? Ça fait un feu rouge, c'est ça qui m'embête. Donc c'est pas bon. Alors à moins... Ouais, et là j'ai besoin des deux sens, vous voyez, ils vont vraiment dans les deux sens. Si je faisais ça... Je vais essayer de le transformer en ça. Toujours le feu rouge. Pourtant ils ont l'air de... Enfin moi je dis feu rouge, hein, c'est par habitude, il y en a que ça énerve apparemment. Moi je dis feu rouge par défaut, vous voulez dire feu de circulation. J'aime bien feu rouge parce que moi c'est le feu rouge qui me gêne, j'ai toujours dit ça. Je vais essayer de dire le feu. Voilà, le feu de circulation. Si j'y pense, hein, c'est un réflexe pour moi. Mais du coup, cette route ne sert à rien. Il n'y a personne qui la prend, vous voyez. Et en plus, elle ralentit. On va la virer. Aïe.
On te reconnecte. Et on te reconnecte. Ok. Ça, c'est bon. Et donc là, on va remettre comme avant parce que ça ne sert à rien comme ça. Là, il y a au moins pas de feu rouge. Ah, il y en a un là. Alors, il y a également, oui, il y a cet endroit à améliorer maintenant. Donc, regardons un petit peu. Il y a une sortie ici. Et je vais me débarrasser surtout des feux rouges. Parce que là, c'est pas vivable. Et je me dis, il y a peut-être pas besoin de cet endroit. Ils peuvent sortir là-haut. Donc, on va retirer ça. Hop. Si je fais ça, est-ce qu'il y a toujours les feux rouges? Il y a toujours les feux rouges. Par contre, et si je faisais tout à sens unique, un truc qui tourne comme ça, si je faisais ça, est-ce que ça me permettrait pas peut-être, testons, si je fais ça, vous voyez là, il n'y a plus de feu rouge. Ok, donc on va essayer de mettre à sens unique, donc vous devez aller dans ce sens là-bas. Par là, vous devez aller vers ici. Donc sens unique. Ok. Là, ça fait toujours un feu rouge. Mais au moins... Au moins jusque là, c'est bon. Et là, on a un autre feu rouge. Ah. Dans ce sens là, ok, voilà, regardez-moi ça. Donc du coup là direct on a bien nettoyé la sortie des camions pour tout ce qui est port, parce que là c'est vraiment plus cool. Donc hop, on les vire vers là-bas, on les vire vers là, ils ont une sortie vers l'autoroute, ici ils ont de quoi rentrer. Voilà, j'aurais bien aimé laisser à double sens quand même si jamais ils voulaient aller là-dedans, mais comment faire? Si je prenais ça et je faisais une route là-dedans, comme ça. Allez, pas de feu rouge, pas de feu rouge. Ok, comme ça, ça leur donne la possibilité de re-rentrer dans le circuit. Pas le choix, hein. C'est pas très beau, mais bon, il faut faire des sacrifices. Donc voilà. Alors regardons ici. Il y a un feu rouge, il faut qu'on vire ce feu rouge. Donc là, eux, il faut, de toute façon, à sens unique, ils n'ont pas besoin d'être à double sens, donc on va leur dire, tu vas là-bas. Et ça vire le feu de circulation. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y en a un de feu de circulation ici? Je comprends pas trop. C'est pas grave, il n'y a plus la queue. Et si je prenais ça et je l'envoyais là-bas, est-ce que ça ferait... Non, ça ne fait pas de feu et ça permettrait à ces camions de rentrer là-dedans. Donc je pourrais virer là. Ah, il aime quand il le veut quand même celui-là? Malgré qu'il y ait ça. Regardons. Il le veut quand même. Ok, bon, on va lui laisser. Bon, voilà, on commence à améliorer les choses, hein, quand même. Hein. Alors maintenant, il y a d'autres endroits là où il y a des petits soucis. Mais si on regarde maintenant tout ça, c'est vraiment moins rouge qu'avant. On a toujours cette ligne. Alors vous avez pu voir, avant, la ligne, elle avait de l'embouteillage jusque-là. Hein. Maintenant, elle en est ici. Ah, bah tiens, là, c'est le truc qui gêne, là. C'est mon machin pourri que j'ai fait. Ils veulent aller par là. Du coup, waouh. Donc vous voyez, on débouche des endroits, mais un peu plus loin, il y a des nouveaux bouchons qui arrivent. Bon bah ça fait partie du truc. Hein. On va y arriver au bout d'un moment. On va bien y arriver. Alors, je voudrais juste regarder là-haut. J'ai fait des bureaux. Ah oui, alors là je sens qu'il y en a qui m'ont créé. J'ai fait des bureaux au lieu de faire des commerces là. Donc on va virer ça. Quand vous avez dû me voir les poser, je crois que vous avez dû péter un câble. Qu'est-ce qu'il fout encore, lui? C'est vrai que moi, j'ai toujours la tête en l'air. Alors. Ici, du commerce. Voilà. On va rajouter... On va virer ça, là. Parce que, vous voyez, la demande de commerce monte.
Voilà, là, alors pendant qu'il se vide ici, c'est bon. Parfait. Très bon tout ça. Donc un petit peu de commerce, maintenant presque tout est au minimum. Alors les industries minières ont vraiment boosté nos revenus. Hein. Vous voyez, on est monté à 21 000, 21 200, ça continue à monter, c'est aussi grâce au commerce. Ce sont des très très bonnes choses et je pense que maintenant il ne devrait plus avoir de problème de population. Ah, il y en a un petit peu encore qui demandent du monde, mais ça devrait pas tarder. Ouais, on a encore quelques zones là où il faudra construire, donc ça va arriver éventuellement. Qu'est-ce qu'il m'a dit lui ? Bonjour, le maire en a-t-il entendu parler? Une nouvelle étude scientifique établit que les arbres et les illusations réduisent le bruit produit par la circulation. Ok. Ouais, des arbres, tiens. Donc je pourrais en mettre éventuellement, mais on a encore du boulot à faire. Alors regardons ici. Vous voyez, c'est pas encore très... Oula, il y a un problème avec le nom du, du bâtiment, là. Nylon, boutique d'impression... Nylon. Ok, et là qu'est-ce qu'ils ont? Ah ouais, problème de criminalité, on en est à où? Criminalité. On en est qu'à 19%. Et j'ai aucun flic dans ma ville. Là j'ai plus de flics, hein, regardez. Budget de police, zéro. Alors je dois arriver à 50% pour avoir le bâtiment. Alors c'était lequel? 300 bâtiments de service, je pourrais le faire, 5000 enfants dans les écoles élémentaires, ça viendra après. Ah, on a bientôt assez de carrés de zone industrielle, celui-là il va être facilement faisable. Remplir 3 exemples de cimetières, bah tiens on a déjà un cimetière de rempli, ce qui est cool. Enfin, ça dépend pour qui, mais voilà. Tous les taux d'imposition à 4% max, donc celui-là j'avais pas réussi à le faire la dernière fois et ça me faisait perdre trop d'argent. Dépenses en éducation, zone de bureaux construites. Voilà, taux de criminalité au-dessus de 50. Et on est à 19 maintenant. Et on va devoir on va devoir attendre. J'espère que ça va continuer à monter. Ou alors mes gars sont juste trop gentils. Ah, eux ils veulent qu'on construise un aéroport. Je crois que l'aéroport ça va être... Ouais, c'est le suivant quand on aura 55 000 habitants, donc 5 450, ouais, voilà, 5 500 et les poussières. Voilà, bon, parfait, ben on a fait pas mal de choses dans cet épisode, on a un petit peu amélioré la situation routière, mais on a encore pas mal de boulot, et là j'ai enfin compris à peu près comment nous en sortir, hein. C'est une question de sens unique et de feu de circulation à régler, mais on va y arriver, hein. On va y arriver, et là je devrais carrément ignorer ça et les laisser continuer, alors ça va, ok, pour le moment, voilà. Ils vont aller vers là-bas, ils vont devoir faire le tour. Le tour de la tête d'Afro, c'est la meilleure solution pour débouchonner un petit peu ici, parce que là, au bout d'un moment, ça va atteindre l'autoroute, et ça va embouchonner l'autoroute, qui est une catastrophe. Donc comme ça, au moins, on règle la situation, vous voyez, il y a juste plein de voitures qui vont faire le tour, du coup. Mais c'est vraiment plaisant à regarder tout ça. Hein. Voilà, merci à vous, et puis je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Et comme d'hab, je vous upload la sauvegarde, je vous la mets dans la description de la vidéo si vous voulez bidouiller un petit peu ma save. Voilà, je vous dis merci, à bientôt.